Salut, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis trop contente de vous faire. Je suis un peu une youtubeuse du dimanche parce que je suis pas très très régulière, je vous l'accorde. Mais j'ai envie de filmer quand j'en ai envie, j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc là aujourd'hui j'avais trop envie de filmer et je vais vous filmer un unboxing. C'est juste la première fois que je vais... C'est la première fois que je filme ça. Comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit d'un unboxing Prada et pas de n'importe quoi. C'est un sac, je vous le dis, c'est un sac que j'ai tellement galéré à trouver. Il est là. Pour la petite histoire, je l'ai reçu hier. Je ne l'ai toujours pas ouvert. J'ai attendu. C'était très dur d'attendre, j'avoue. C'était dur d'attendre. Et en fait, je l'ai vu. Il est sorti, c'est la collection des fêtes de Noël. Je l'ai vu sur pas mal d'influenceuses, dont Wendy. Et il était juste out of stock de partout sur le site, enfin partout. Il était disponible sur les sites de vente d'occasion, mais il faisait deux fois le prix. Donc j'avais pas du tout envie de dépenser deux fois le prix pour un sac qui coûte la moitié, quoi. Et donc je guettais sur le site pour qu'il revienne en stock. Je vous raconte un peu ma vie, mais aussi pour vous expliquer. Je le vois en stock une fois, impossible de le jeter dans le panier, ça marchait pas. J'ai essayé pendant au moins une demi-heure, ça marchait pas. Et là, en début de semaine, je le revois disponible sur le site de Prada. Donc, je l'ajoute dans mon panier. Ça marche. Je valide ma commande. Ça marche. Je reçois l'email de confirmation. J'étais trop contente. J'y croyais presque pas. Mais je me disais, c'est trop beau pour être vrai, Lorraine. Sauf que le soir, effectivement, c'était trop beau pour être vrai. Je reçois un mail de Prada. Désolée, il y a eu une erreur. Le sac n'est pas disponible. Nous sommes vraiment désolés pour le désagrément. Alors attends, tu te fous de moi un petit peu. Du coup, c'était encore pas bon. Donc j'étais un peu dégoûtée, j'étais hyper déçue. Je me suis fait une raison, je me suis dit tant pis, je l'aurai jamais. Hein. Et du coup, le soir, je raconte à ma copine Élise, d'ailleurs si tu passes par là, je te fais des gros bisous, que j'étais dégoûtée, que j'avais commandé le sac, que j'avais réussi à le commander et qu'il m'avait dit que c'était pas possible. Et elle me répond qu'elle était à Courchevel ce week-end et qu'elle l'a vu en magasin. Et elle m'a dit aussi, si tu veux, je te donne le numéro de la concierge, je peux lui écrire pour savoir si elle l'a en stock. Donc je dis bah j'ai rien à perdre, hein, c'est pourquoi pas. Donc c'est ce que je fais, je lui écris et là elle me répond qu'elle en a en stock, qu'elle vient juste de recevoir, qu'elle peut me le réserver. Donc je dis oui. Et du coup je lui demande de me l'envoyer et elle me l'a envoyé en UPS Express. Je l'ai déjà reçu hier comme je vous ai dit et je l'ai toujours pas ouvert, vraiment pas ouvert. Donc on voit qu'il vient tout droit, de Courchevel. Donc c'est parti, je l'ouvre quoi. Allez, c'est parti. J'espère que vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Je ne sais pas si vous avez une idée de quel sac c'est, mais si vous me suivez sur Insta, du coup, vous l'aurez déjà vu parce que quand je vais l'ouvrir, je vais faire une story, c'est sûr. Et du coup, le temps que je poste la vidéo, vous verrez en avant-première. Donc si vous voulez me rejoindre, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, je vous l'affiche juste ici, c'est avec plaisir. On va se débarrasser de toutes ces choses du ciseau avant que je me blesse. Donc, comment elle a présenté ça? Il y a la boîte. Donc, c'est directement de la boutique et c'est la conseillère qui me l'a envoyé. Donc, ça, c'est le sac. Là, on a le certificat et l'escarpon. C'était les oreilles, voilà. Donc on a le sac, j'ai baissé légèrement la caméra, j'espère que c'est toujours centré. Allez, c'est parti. Normalement il doit y avoir du papier de soie. Je suis trop contente. Ça, hop. Je découvre en même temps que vous avez vu, je le découvre de côté pour que... J'ai pas les mots. Incroyable. Il est magnifique. Il est incroyable. Mon Dieu. Alors, c'est un bijou plus qu'un sac. Je vais Je vais en prendre tellement soin. C'est des strass dessus, donc j'ai pas trop envie qu'il y en ait un qui se décolle, donc je vais vraiment, vraiment en prendre soin. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on met ça directement. Enfin, je vais vous faire des close-up, hein, mais c'est clair que ce soir je dors avec. Clairement,
Attendez, je le regarde quand même en face. Il est incroyable. Il est incroyable. On va vérifier que tout fonctionne bien. Mon Dieu. Alors là, par contre, le petit défaut, c'est que j'ai pas de suédine. Pour le protéger, je trouve ça un peu moyen. Donc je vais me resservir. Pour vous faire une comparaison, j'avais déjà un autre modèle. Je vais vous montrer. Il en jette quoi. J'avais déjà ce modèle de chez Prada, donc je l'avais en. C'est la version beige. Mais c'est celui avec la chaîne, vous savez, avec la bandoulière que j'aime beaucoup. Je le mets plus le printemps-été parce qu'il est des couleurs claires et j'adore cette couleur. Je l'aime trop trop. Oh, mais lui. Enfin, voilà quoi. J'ai pas d'autres mots. Comme moi, après, voilà, la seule chose négative, c'est que j'ai pas de Dots bag pour le. Prolongé, donc je vais en prendre un de mes anciens parce que je peux clairement pas le laisser s'abîmer, c'est pas possible. Je réalise pas, je vous jure, je réalise pas. Il est incroyable, je sais pas quoi dire, j'ai plus les mots. Si vous voulez le voir porter, du coup, je vous ferai quelques photos sur Instagram comme je vous l'ai dit avant. Voilà quoi. Il est incroyable. Bref, je pense que ça se voit que je suis hyper happy. J'ai plus les mots en fait, j'ai plus rien à dire, j'ai plus rien à raconter. Donc la vidéo était assez courte, mais c'était un unboxing, donc j'ai pas besoin de vous en dire plus. Je suis trop trop contente. Voilà, je vais aller le ranger. Je vais finir de ranger tout ce que j'ai mis par terre pour ça. Je sais pas comment on va l'appeler, mais il est trop trop beau. Je suis hyper contente. J'espère que cette petite vidéo unboxing vous a plu. Dites-moi si vous voulez en voir d'autres. Vous m'avez dit pas mal d'idées de vidéos dans ma dernière, donc j'ai noté. Donc je vais regarder pour en faire. Et je pense que je vais vous faire un haul aussi qui va pas tarder d'arriver, parce que j'ai craqué sur Naked. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye! Tu dis au revoir?